Mutsu, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de RimWorld, dans lequel j'espère que nous allons pouvoir faire partir la caravane. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir faire partir cette saleté de caravane. Les visiteurs, on s'en fout. C'est pas notre délire. Donc, pour ça, j'attendais la nourriture un peu plus conséquente. Et aussi, je me suis dit, si on part avec les Mufalo. Oh, mais attendez, on a plus. Y'a plus rien à bouffer. On a un gros problème là. Tant que ça tu chasses. On va devoir chasser ça aussi. Vas-y, on chasse tout. Non, on n'a pas le choix. Attention! Grosse danger! Cours, 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 cours! Aide-le, toi! Aïe, pardon, micro! Il se retourne pour lui mettre une balle. Allez, cours! Bien joué! Ça a l'air de s'être plutôt bien passé dans la globalité. Allez, Flou, rentre parce que tu es blessé. Voilà. Hop, Mazaru, tu peux rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec Benico. Ok, Mazaru, aide-le parce que j'ai pas l'impression qu'il s'en sortira tout seul. Donc du coup, j'espère que vous allez bien, les amis. Ça va, j'ai rien dit, Benico. Oh. Entre les deux yeux, il te lui a mis, quoi. J'espère que vous allez tous bien. On va essayer de faire partir la caravane aujourd'hui, dans cet épisode, je veux dire. Du coup, on va essayer de le jouer le plus... What the fuck? Ah, c'est les mecs, ok, d'accord. On va essayer de d'avancer le plus vite possible. Quand bien même, pour ça, je pense qu'il faut qu'on attende de récupérer l'herbe à foin. Herbe à foin d'ailleurs qu'on va stocker ici exceptionnellement, tout simplement pour nourrir les animaux, puisque je pense que ça va être utile. Je pense que ça va être utile. Donc ouais, c'est pas dit qu'on arrive à la faire partir dans cet épisode en fait, parce que même en essayant de laisser le temps passer vite, le plus vite possible, ils vont pas pouvoir faire de miracle sur la nourriture et tout le reste. Ils mangent la truc crue, quoi. S'il vous plaît, respectez-vous. Respectez-vous. Allez, récupérer, là, il y a des patates. Le fuel, à un moment donné, je pense qu'on va pouvoir arrêter d'en fabriquer aussi. Je sais pas si... Il n'y a plus de place pour le stocker. D'accord. Ok, on va le stocker là-dedans. Stockage, produits manufacturés. Le chem fuel, ça doit être ça, je pense. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ok. Mange pas trop les patates non plus, toi, hein. Ça peut me gonfler cette histoire. Ok. Ça, ça pousse un peu ou pas? Non, hein. On va quand même pas planter de l'herbe à foin là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, 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 non. Ne nous pressons pas. Ça sert à rien de se presser. Pourquoi ils ont toujours leurs vêtements en lambeaux? C'est tous ceux qui portaient des vieux bonnets encore. On va les faire partir avec des vêtements dégueulasses, ça veut dire? Ils ont des bonnets vraiment dégueulasses, même, il faut dire. Après, honnêtement, il y a des chapeaux, quoi. Ils ont peut-être pas envie de changer pour le...
chapeau de cow-boy. Je préfère garder le bonnet. Pourtant, assignation. Ouais, ils sont tous en worker. Ma foi. Ouais, lui, c'est vrai qu'il a vraiment des fringues pourries, quoi. Pas de drogue. Ok. Très bien. Là, ça arrange un peu le matos. Ok. Qu'est-ce que c'est? De la viande de buffalo. Allez, on prend. Ok, le riz pousse bien. 88%. Les patates arrivent. On a un déficit de nourriture, malheureusement. C'est la vague de froid qui nous a mis dedans. C'est pas très grave. Mais quand même. Un animal fou. C'est un lapin. J'espérais que... Tiens, Flou, viens t'en occuper. Allez, défonce-moi ce lapin. Allez. Voilà. Il est pas mort? Tue-le. Allez, va te soigner. Soigne cette vilaine blessure qui pourrait s'infecter. Ok. Là, ça va. Ici. Ok, ça commence à récolter le riz. C'est parfait. C'est parfait. Par contre, à chaque fois que c'est comme ça, il faut les passer en transport. Priorité manuelle. Parce qu'autrement, on sait tous que ça prend 10 ans. Ok. Allez, ça stocke du riz. Ça va pouvoir faire du pain de minican. En veux-tu, en voilà. Le foin, c'en est où le foin? 47% à la moitié. Allez, j'essaye de le jouer au plus vite possible pour qu'on puisse faire partir la caravane sur cet épisode-là. Ici, il y a du métal à récupérer, messieurs, dames. Ils ont plus de place pour le stocker, bien entendu. Bien entendu. Un groupe de voyageurs, super. Les matériaux de construction. Zone de stockage. Je pense que les matériaux de construction. Hop. Ressources brutes. Non, ce sera dans les produits manufacturés, je pense. Non plus. Les objets? Non. Non, a priori, ce serait dans les produits manufacturés, je pense. Composants. Composants? Des pièces en vrac? Non, c'est pas ça. Médicaments, textiles? Non. C'est où? Morceaux? Morceaux de roche? Ah non, c'est dans les ressources brutes. C'est tout ce qui est bloc. Ouais, c'est ça. Et ici, les blocs, je les vire. Où est-ce qu'il y a le feu? Ah, ça va, avec la pluie, ça va s'éteindre. Ça va, ça va pas abîmer les câbles électriques. Et il a la petite flaflamme qui persistait, mais bon, ça va. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ma foi.
Je sais pas ce qu'il avait. Ok. On produit pas suffisamment de nourriture toujours. Ça, c'est vraiment embêtant. C'est vraiment, vraiment embêtant. Est-ce que ça s'abîme dehors? Non. Très bien. Voilà. Voilà. On va gagner de la place là, donc. Pas tant que ça finalement. On a beaucoup beaucoup de cuir et de conneries dans ce genre, ça sert à rien. Énormément de bois aussi de stocker là. Il y a une fête. Nice. C'est bien, faites la fête. Faites la fête que dans pas longtemps vous allez plus vous voir. C'est pas dit que vous vous reverrez un jour, donc profitez-en. Super, la fête qui est gâchée par un incendie. C'est bien, au moins ça crée des liens, c'est très important. Ok, ça récolte. Ici, ça en est où? 55%, ça avance pas du tout, ça. Mais alors, pas du tout. Je vous dis, j'ai limite envie d'en faire pousser ici, quoi. On va en rajouter 3 nouveaux. Et ici, il devait faire un truc. Ah oui, un drug lab. Composants, bois. Non, pas de composants. On se fait siège. C'était jamais arrivé encore. Oh con. Ils ont pas le temps, eux. Ils ont les masques de... c'est... Wouah. C'est... comment il s'appelle? Le magnéto. Lol. C'est magnéto, quoi. Alors. Tout ça vaut poste, hein, j'ai envie de dire. On sait quoi faire dans ces cas-là. Il faut se battre. Je me demande, je suis sûr que je dois pouvoir assigner des groupes et... S'il faut, vous me le dites dans les commentaires, vous êtes comme des fous, genre... Ah Moutou, pas des groupes, espèce de noob. On va faire une petite save juste au cas où ça tourne au drame, parce que ça serait con que le let's play s'arrête sur un drame. En même temps, si c'est le cas, bah tant pis. Ah oui, carrément, c'est le siège, quoi. Personne de plus? Really? Ok. Très bien, on va progresser par là. On va progresser par là. On va mettre un sniper ici. Et c'est qui c'était? C'est Tail, je crois. Ouais, c'est Tail. Avec son seul bras. Lui, il arrive à sniper le mec. Avec un bras quand même, c'est fort. C'est trop loin, c'est ça? Ok, ben on va vous approcher un peu alors, on n'a pas le choix. Ici tu peux pas y aller. Là c'est trop loin, mais pas de beaucoup quand même. Hein. Normalement il y a même un troisième sniper. En théorie. Ça je pense que ça tire de loin ça. Venez ici vous. Allez, il faut me cartoucher tout ça, là. Hein. Toi, tu tires pas suffisamment loin. Oh là là. Ça peut très vite tourner au drame, cette affaire, hein, je vous le dis. On va lâcher les bébêtes.
Parce que de toute façon, elles sont là pour ça. Lâche tout, lâche tout. Lâche tout, fiston, lâche tout. Là, tu es un peu à la vue de tous quand même. Je me demande si c'est une très bonne idée de faire ça. Peut-être par au-dessus. Passe pas derrière le mur. Ok. Oh, ils sont venus charger en matos, les types. En tout cas, on a déjà tombé un magnéto. Donc ça, c'est cool. Il y a les mufalos. Ils tirent sur les mufalos. Parfait. Il n'y a personne à ta portée, c'est con ça. Du coup, il va falloir que tu t'avances un peu, mon pote. Ok, ça se passe plutôt bien. Tony, approche. Ouais. Toi et toi, vous allez juste vous décaler un poil comme ça. Pas toucher vos copains. Oh, le mufalo a pris très cher. Mais il n'est pas mort. Ils sont là pour ça, de toute façon. Hein. Concrètement, ils sont là pour ça. Ils font quoi? Ils s'enfuient. Tel des pleutres. Cartouché. Ok, c'est fini. Tony. Tu as une cote estropiée, Tony. Mais c'est pas grave. Allez, rentre. Tout le monde rentre de toute façon. Connection lost. Super. Allez, tout le monde rentre. Ok. 25 rations de survie, c'est génialissime. Ça. Fous-le à poil. On a récupéré de bons matos. On récupère le fer. Ça, on récupère. Et ça, on récupère. Et ça aussi, bien entendu. Ok. Nickel. Ah non, 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 pas nickel. Galinette. Ils sont où? Faut le sauver, lui. Sabot arrière gauche touché, alimentation, respiration, mouvement faible, efficacité 44%. Toi tu vas peut-être pas venir avec nous, tu risques même de finir en beefsteak. Parce que bon, un mufalo qui peut plus bouger. À un moment donné, voilà quoi. Connection lost, hein, encore une fois. J'espère que ça va pas trop nous embêter. Est-ce que ça veut dire qu'il peut plus marcher selon vous? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ils sont en train de les soigner. Tout ça, ça avance. L'herbe à foin, elle en est où? 57%, c'est long. D'ailleurs, en plus, ils vont avoir pas mal de boulot à faire. Voilà, puisqu'il va falloir aller chercher tout le matos, le ramener. Il y a énormément de trucs à récupérer. Je pense que pour la caravane, à mon avis, les amis, ce sera dans le prochain épisode. On sera jamais prêt à temps. À moins que je fasse un épisode un peu plus long. Non. Je pense que, à la limite, le prochain sera peut-être plus long. Mais sinon... parce qu'après, c'est pas bon. Parce qu'à mon avis, le truc, c'est qu'il va falloir que je les équipe après. Avec le nouveau matos. Donc voilà. Ce qui fait que je pense que, à mon avis, on n'aura pas le temps de faire tout dans cet épisode-là. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça va le faire. Alors. Il mange les plantes. Putain. Bon, la ligne, c'est pas très grave qu'il bouffe les pots de fleurs. Là ça avance, la bouffe c'est bon. La bouffe c'est revenu comme avant. Ça va le faire. 64% mûr. Ça pousse mais c'est pas encore ça. Les patates là, on va se gaver de patates.
les petites fourmis qui s'attellent à tout récupérer, ça avance plutôt bien. Hop, ici il y a des composants, il faut qu'on les récupère. Le radiateur qui tombe en panne, on s'en fout, c'est pas grave. Il y a encore un peu de fer ici à récup. La batterie qui tombe en panne, ça commence un peu à faire chier, mais c'est pas trop grave non plus. Ça c'est qui ça? Un pirate qui est mort. On va aller l'enterrer quand même. Notre cimetière se remplit à vue d'œil. Du coup, il va falloir un peu l'agrandir par ici. Ok. Pour le moment, ça tourne. Pour le moment, ça tourne. Il fait bon à l'intérieur. Je vais commencer à réfléchir déjà dans cet épisode à... Hop, on va mettre en vitesse 1 du coup. À qui va être le... On va... Je pense qu'on va partir sur 4. 4... aptitude. Sur 4 gros défenseurs. Pouce, secondus, majeur. Au moins 90% manipulation. Ok. Toi, tu as 12 en tir, toi, Cooper. Mais Cooper, on va t'amener, je pense. Quoique, j'en suis même pas sûr. Rinnick. Rinnick, toi déjà. C'est sûr et certain. Tu vas être notre Serial Killer. Donc, pour ça, on a besoin que tu aies un bon matériel. Notamment ce casque. Viens porter ça aussi. Ok. Tu me diras, ce manteau, il est pas terrible. Il est pas en très bon état. C'est pas grave. On sait pas faire des armures ici? Military helmet, Cleaver helmet, armor vest. On va en faire 4. Ok, donc ensuite, est-ce qu'on a récupéré un deuxième casque comme ça? Non, j'ai pas l'impression. Par contre, on a une armée de chapeaux. Ouais. Bon. Ok. Et donc, du coup, ajouter une tâche. C'est le military helmet. Non, c'est le Kevlar helmet. On va en faire encore 3. Où est-ce qu'il y a le feu? Ah merde, c'est là. J'avais même pas vu. Ok, ça a pas l'air d'avoir. Ah non, si, c'est là, d'accord. C'est pas bien grave. Je pense que, comment il fait là-dedans? Ah ouais, il fait 58 degrés. Ça, le problème, c'est que celui-là, pour le refroidir... On va mettre une ventilation avec cette pièce. Combien il fait dans cette pièce? 28, 50, 28, il fait 28 dans toute la maison. Ok. On va faire passer dans celle-là. Qui est beaucoup plus grande, ça sera beaucoup plus dilué la chaleur en fait. La nourriture se fait rare, non ça c'est faux, je veux pas le, je veux pas voir, ça je veux pas l'entendre. C'est complètement faux, ici on a un champ de patates quand ils vont récolter ça. Ils vont être super heureux. On va diminuer un peu. Petit peu ici, voilà. Hop, TeamSpeak qui fait des siennes. Ok. Là, c'est bon. Est-ce que ce serait pas... Non, c'est les patates. C'est les patates. Toi, tu n'as pas d'arme à distance. Ça, c'est quoi? Lanceur de balles incendiaires. C'est un peu dangereux, je pense. Va t'équiper de... non, le fusil de précision, non.
problème, c'est que si j'attends qu'il ait fini de faire tout ça, c'est pareil. 120 acier, 2 composants. On n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Donc ça, déjà, on l'enlève. Et à la place, j'aimerais que tu me fasses... un Asarif. Yeah, man. L'été vient de commencer. Alors, attendez, je vais régler ce problème. Ok. Ouais, le problème, c'est que si j'attends qu'ils aient fini de fabriquer tout ça, mon avion n'est pas rendu. Ils sont pas prêts de partir, hein, je vous le dis. Et du coup, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Je peux leur envoyer le matos par par pod. Ouais, on va faire ça. Faut bien qu'on rentabilise les pods aussi. Et du coup, cette fois, c'est sûr, par contre, on part dans le prochain épisode, les amis. C'est sûr et certain, cette fois. Donc... veste renforcée... ouais, mais c'est pourri, ça. Est-ce que... recycler des armes, destroy weapon... non. Non, non, non. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, mais en même temps, la zone ici de stockage de nouveau est full. On va se servir de ici. Tac. Hop. Et dans cette zone, tout effacé. On va y stocker les armes et les tenues aussi. Faudrait que je fasse des casiers de rangement, mais bon, pff, je trouve pas ça terrible, les casiers de rangement. Ah tiens, attendez, par contre, production, équipement, non, c'est dans divers, caisse à outils, l'établi, hop, s'il faut, ça peut bien les faire bosser encore mieux, ça. Bon, elle est posée un peu à la chien, mais c'est pas grave. Je crois qu'elle a marqué que 2. Du coup, il faudra voir quel, quel établi ça. Oh. Merci. Merci. Parce que du coup, du fuel, on en a suffisamment. Ça, on peut l'arrêter. Parfait. Là, ils vont pouvoir commencer à stocker les armes. Lui, il est bâclé. Oh, il est dégueulasse. Là, ça taffe. Hein. Oh là 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 là. Là, ça taffe sec, 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 sec. Les patates. On a énormément de patates. Est-ce qu'on planterait pas du... non, 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 on va rester sur de la patate. Il y a le foin qui arrive. Ok. Là, ça se remplit vite. Le penmin can, il est à 300. Ok. Ils vont faire dodo. Ils vont bientôt récolter le riz. Et le maïs. On n'a plus assez de place pour tout stocker. Ok, bon bah c'est la fin de l'épisode, les amis. On va se laisser là. Et dans l'épisode prochain, le départ de la caravane. Cette fois, c'est pour de bon. C'est pour de bon. Ouais, ouais, ouais. Allez, j'espère que ça vous plaît vraiment. Et je vous laisse là. Je vous souhaite à tous de très bien vous porter. Soyez prudents. Faites attention à vous. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao tout le monde. Bye bye.